C'est dimanche 30 juin, le dernier jour du festival Catalpa. Vous l'avez constaté, le plateau Focom TV est démonté. Et cette fois-ci, on va aller à la découverte du chemin des artistes, les festivaliers et tutti quanti. Voilà, on y va tout de suite, c'est parti. C'est la télé de Yonne.fr et on y va. C'est derrière nous que ça se passe, c'est ici l'allée des artistes, on va aller les rencontrer, on va commencer par le luthier qui est derrière nous, on y va, c'est parti. On a trouvé un des responsables, en tous les cas le représentant des luthiers, parce qu'il y en a 7, c'est ça, et on est avec Yves Mion. Comment ça va Yves? Très bien. Donc c'est toi qui est le local, et c'est toi qui as fait en sorte qu'ils viennent tous d'un peu partout, je crois, il y en a qui viennent de Poitiers. Voilà, exactement, Poitiers, Lille, il y en a du Lot, région parisienne, et puis on se connaît sur les salons, et quand il y a des festivals ou des localités qui organisent des événements comme celui-ci, on essaie de venir pour pouvoir présenter nos modèles, nos instruments, et de se faire connaître un peu, parce que... Il y a des luthiers en France qui font de vraies guitares. Voilà. Absolument. Alors justement, parlons des guitares, parlons de ce que vous faites, parlons de votre art, parce que vous fabriquez évidemment, vous accordez toutes ces guitares. Expliquez pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un luthier par exemple. Ben, luthier, c'est la personne qui fabrique la guitare de A à Z. Donc qui a la planche, qui a le bois, qui va l'acheter, qui le travaille, qui le façonne, qui assemble, qui monte l'instrument et qui a au final un instrument qui est réglé, accordé, qui est jouable et normalement qui sonne quand c'est un bon luthier. Important d'être sur les festivals évidemment musicaux. Oui, parce qu'en fait c'est un visu énorme, c'est une vitrine en fait, on n'est pas là pour vendre, pour dire bon faut qu'on vende de la guitare dans le week-end, mais on a des contacts, il y a des cartes qui partent, il y a un énorme visu, c'est le but recherché. Plus on est vu, plus on est connu, plus on sait qu'il y a des luthiers en France qui font des instruments. Bien sûr. Et on peut, parce qu'on n'entend parler que des grosses marques, mais en fait il y a des instruments qui sont vraiment aussi largement plus intéressants et ça nous permet d'avoir un gros visu. Voilà. Est-ce qu'on peut prendre une guitare ou toi ou un de tes collègues qui a fabriqué et nous parler un peu de cette guitare? Sébastien, un des luthiers, voilà, qui est aussi sur le festival Catalpa. Bonjour Sébastien. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler d'une des guitares, en choisir une, celle que tu préfères par exemple? Alors je peux te parler des tourbus, qui sont en fait des guitares, enfin des vraies guitares, mais qui ont la particularité de se plier. Hop là, ça se voit là. Et ça, tout ce mécanisme-là, c'est toi qui l'as fabriqué? Ouais, voilà, c'est mon système. Il l'a conçu. Ah oui, d'accord. Et voilà. Et ça, en termes de confort, ça va? En termes de confort, tu retrouves les points d'appui d'une guitare traditionnelle. Et comment tu l'as appelée? Ça s'appelle la tourbus. La tourbus. Ouais, parce que c'est la guitare que tu as dans ton tourbus quand tu es une star. Merci beaucoup Sébastien, merci à toi. Un luthier qui nous vient d'où? J'arrive de région parisienne, Bagnolet. Bon, bah je viens voir Yves, et puis le festival aussi qui est quand même pas mal. Alors on est sur la partie acoustique, est-ce que vous avez une guitare conçue que vous, voilà, que vous préférez et que vous voulez nous présenter s'il vous plaît? Ouais, donc là on a des guitares, généralement les gens s'arrêtent parce qu'elles sont assez atypiques. La première chose qu'on voit c'est on n'a pas le trou là où on pense qu'il devrait être. Donc, et en fait il y a un trou devant, derrière, et je me suis arrêté là. On augmente la surface de résonance, c'est le principe, et on peut plus mettre le trou, on mettait le trou, donc faut le mettre ailleurs. Allez, on continue, on va voir à côté les copains artistes, on y va tout de suite. Salut, ça va? Voilà, les concerts ont démarré avec Jormi ici, un artiste sculpteur, il est dans le grunge. Jormi, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va. Alors, le grunge, explique-nous ce que c'est. Alors, le grunge, c'est le mouvement de la musique de l'époque de Nirvana où il y a des artistes peintres qui se sont mis à faire des peintures un peu plus sales que d'habitude. Là on est plus sur du junk art, parce que le junk art c'est de la récup. Et surtout des choses qui normalement devraient être jetées, on évite de les jeter, on en fait des œuvres d'art. Récupération et on retravaille et ça devient une œuvre d'art. Et là on est sur quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que vous voyez justement autour de nous, ce sont des bidons qui ont été récupérés par le groupe Tambour du Bronx, ouais. C'est ça. Et l'idée c'est que tu les retravailles et tu vas les renvoyer et raconte-nous l'histoire à qui? Alors en fait, un tambour des tambours du Bronx, ça fait 2 concerts, un concert par face, parce qu'en fait ils tapent dessus avec ce qu'on appelle des maillotches, c'est des manches de pioche en fait. Et l'idée moi c'était de les récupérer, qui est la plus-value des tambours du Bronx et la deuxième plus-value qui est ma sculpture dessus, pour en faire quelque chose de bien et leur donner, une fois que c'est transformé en sculpture, le confier à la Ligue des Droits de l'Homme, qui le vendront aux enchères en leur faveur. Voilà, c'est l'idée, c'est l'état d'esprit de Jormi, vraiment bravo pour le travail que tu fais. Voilà, on a découvert Jormi, maintenant on va tout de suite aller à côté, continuer de découvrir nos artistes. On y va, c'est parti, suivez-nous. Ça y est, on a trouvé l'artiste, elle est en train d'installer justement ce qu'elle a fabriqué. Donc oui, il y a 43 modèles. Il y a 47 clichés parce que certains clichés valaient le coup d'être montrés sous différents angles. Une belle aventure, une belle découverte. De les voir exposés, même pour moi, en prenant de la distance, ça montre voilà, une autre forme d'intimité en fait. 7 mètres carrés d'exposition et de création que tu as fait en amont et que tu mets en place sur ces 3 jours, ça c'est ton défi parce que tu es la petite dernière du Catalpa. Mais c'est un beau défi aussi que Sylvain Briand t'a proposé. Tout à fait, ouais, voilà, Sylvain m'a proposé de venir et c'est une super aventure et je lui remercie parce que bah, ça challenge quoi en fait. Voilà, je vous l'avais dit, création Sylvie Lucie, il y en a un peu partout. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette photo là? On va s'avancer vers ce portrait là, Sylvie, si tu veux bien. Sylvie, là c'est toi qui es représentée sur la photo. Qu'est-ce que tu as voulu justement montrer à travers cette photo? La paresse, la femme objet, mais la femme objet qui accepte d'être objet quand elle le souhaite. Est-ce que tu as pas peur qu'on dise bah, c'est quand même un peu chaud quand même? Aucun problème avec ça, de toute manière qu'on fasse ou qu'on fasse pas, il y aura toujours des jugements, des personnes qui aiment pas. Et là, comme je disais vendredi soir, j'ose. Sylvie Bussic, elle ose. On va continuer dans les allées, juste à côté. C'est parti, suivez-nous. Avec Nicolas, le président de l'association Oxydé. Qu'est-ce qui se passe, Nicolas, dans tout ton stand? Parce que c'est énorme, chaque année, tu as un stand, tu déploies énormément de choses et plein de gens viennent dessiner, peindre, créer. Ah bah, c'est le principe de l'association, le but c'était de faire des choses sur Auxerre, donc à tout instant, à tout moment. Chaque année, on essaie de se renouveler. L'année dernière, on avait fait un robot géant en carton de 2,50 m de haut. On avait fini un peu au dernier moment, du coup, on s'est dit que cette année, on allait faire quelque chose d'un peu plus interactif. Donc vendredi, samedi, on a préparé ce projet de Shoot Them Alien. Donc le but c'est de réussir à dégommer le maximum d'aliens avec un pistolet. Et sur le stand d'à côté, il y a quoi? Tu nous y emmènes? Et bah du coup c'est le département droïde qui du coup a fait une fresque aussi sur tout le week-end. Donc en mélangeant le thème du Catalpa et le thème de notre salon, les Auxerre Galactic Dice de cette année, dont le thème sera les extraterrestres. Voilà, c'était Oxydé. Voilà, cette fois-ci, on a trouvé, comme l'an dernier, comme chaque année, au Catalpa, notre spécialiste tailleur de pierre, Seb. Seb, comment ça va? Oh, très bien, très bien. Ça a bien marché ce week-end. Ouais. Un peu chaud, mais ça va. L'organisation était bien parce qu'on a changé de place, on était en face avant. Et maintenant, on est au bord de l'eau, donc ça va mieux. Alors l'an dernier, un gros défi, c'était de tailler un livre où les artistes ont pu signer ce livre et vous avez taillé derrière. Et cette année, un défi de dingue, le travail en commun avec Sylvie Lucie. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer ça? Sylvie, on s'est rencontrés à son exposition à la MJC. Elle m'a présenté une photo et puis c'était à moi de faire un cadre, un support, quoi. Donc on imagine la photo de Sylvie. Donc il se présente comme ça. On est dans le médiéval un petit peu, je pense. Merci à toi Seb, on va aller déranger ton collègue. Merci. Travaille sur quoi? Moi je fais un évier. Un évier? Un évier, voilà. En pierre de Bourgogne. Et voilà, je fais dans le fonctionnel. Plus dans le fonctionnel que dans l'artistique. Tu le fais plus par passion? Je le fais plus par passion, ouais. Chez toi pareil, tu prends de la pierre de Bourgogne? Pareil, chez moi pareil, au grand désarroi de ma femme, quand je commence à sortir la disqueuse et que je mets de la poussière blanche partout. Mais bon, quand elle voit l'œuvre finie, elle se dit bon, tout ce qu'on fait, c'est pas mal quoi. Merci Pierre, on te laisse travailler, tu peux t'y remettre, merci à toi. Voilà, on était avec l'association Stone Art, l'association tailleur de pierre. On va continuer dans cette allée des artistes. On va aller jusqu'à côté de l'art, c'est sur Catalpa. Évidemment, faut pas rater ça. Voilà, on est dimanche aujourd'hui, on continue. Avec Quentin, un des responsables de Crazy Spray, ils sont ici depuis vendredi, pareil. Ils avaient aussi pour mission de créer quelque chose en 3 jours et c'est assez exceptionnel. Quentin, salut! Salut! Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Alors justement, c'est quoi le projet sur ces 3 jours? Ben, le projet, c'est qu'on a fait des petits clins d'œil à des groupes qu'on aime bien. Donc là, on a la petite fumée, le bal des enragés qu'on a transformé en bal des Crazy Spray. Ouais. Et puis Ultra Vomit, on a pris un des 3 personnages. On a écrit Catalpa en graffiti, vraiment, c'est un graffiti, tu vois, tout le monde ne peut pas vraiment le lire. Ouais. Merci à toi Quentin, et puis bonne continuation. On viendra regarder tout à l'heure ce que ça donne avec la lumière. C'était Crazy Spray les gars. Voilà, c'était un sujet complet sur l'allée des artistes de Catalpa. 3 jours extraordinaires. Qu'est-ce qu'on a bien rigolé et qu'on a bien dansé avec des groupes extraordinaires. Encore bravo au Silex, encore bravo à Catalpa. Catalpa 2019, c'est encore une folie avec des artistes que vous avez découverts, des associations auxerroises. Nous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. C'était La Télé de l'Yonne. Moi, je vais danser parce que c'est l'heure de s'amuser. Ciao!